Allez, c'est parti, bienvenue, nouvelle vidéo pour la Cubi Team avec Resident Evil Village. On continue l'exploration et on va se faire même plus que ça aujourd'hui, puisque vous allez voir que on va carrément se faire le premier boss, qui est donc une des trois filles de Dimitrescu, la comtesse, et puis on continue l'exploration donc dans les caves. C'est par là qu'on démarre, avec des espèces de vampires anciennement torturés. Là, c'est vachement glauque. Ne me faites pas croire que vous n'avez pas sursauté un peu, parce que franchement, moi, quand j'y ai joué, j'étais totalement en panique. Ensuite, on continuera après le boss. Vous verrez qu'après le premier boss, on trouve un objet déjà très important, qui est donc la bouteille de vin rouge, qui va nous ouvrir l'accès à la clé de la cour, et donc qui va développer d'autres explorations dans le château. Voilà, je vous laisse découvrir ça. On se retrouve en fin de vidéo. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Le sang d'un homme vivant. Il me faut du sang. Chaud, humide. Du sang bien rouge. Vous devrez voir. Je veux me noyer. Où est-ce que tu vas, petit coquin? Tes balles ne font rien du tout. Espèce d'imbécile!
qui est un salaud. Mon corps, il se décompose. Comment oses-tu t'attaquer à nous? J'arrive pas à y croire. Impossible! Grâce à votre soutien sans faille, je propose de nouveaux services. Jetez un coup d'œil, faites à votre guise. Félicitations. Avec ça, vous ne passerez plus jamais à côté de rien.
Je te fais visiter. Mère te trouve rance, mais je pense que tu es vite. Qu'est-ce que tu as fait à ma fille?
Putain!
Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc on est carrément descendu au plus bas pour se retrouver quasiment dans les tours les plus hautes, puisque là on va, de mémoire, on est vraiment à côté de la chambre de Dimitrescu, donc on va bientôt avoir un second boss, et ça ce sera pour la prochaine vidéo. D'ici là, amusez-vous bien et à très vite.